Merci les gars, merci infiniment pour tous les likes qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. On a pété l'objectif, donc là on va faire un petit truc. On va se donner un objectif de 4000 likes. On ajoute 1000 likes, si tout le monde s'y met on peut le faire. Donc cliquez sur le bouton pouce bleu, descendez un petit peu. C'est grâce à nous tous ensemble qu'on pourra réaliser cet objectif. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale, où est-ce qu'on va découvrir une petite option cachée, on va dire, enfin pas très connue, de Fortnite, qui sert tout simplement à avoir le son visuellement. Alors si vous voulez, tous les sons qu'il y aura, par exemple les balles, les bruits des pas, les coffres, tout ça sera représenté par des petits logos, des indicateurs en forme de rond, et en fait ils pourront vous indiquer précisément où est-ce qu'ils sont. Et c'est vraiment cheaté, vraiment très cheaté, donc voilà. Mais juste avant, si c'est pas déjà fait, bien évidemment, abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous de la vidéo. Comme ça, t'es sûr de pas oublier, fais-le maintenant. Et au passage, active la cloche pour recevoir mes lives, mes vidéos et mes posts YouTube. Bref, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. C'est parti! Et bien heureux les amis, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Alors on va dès à présent mettre un petit skin, parce qu'effectivement j'ai un skin Bambi, j'en ai pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à ajouter mon code créateur, boutique d'objets, soutenir un créateur, JX le slime. Mettez-le tous les gars, c'est très important. Vous faites accepter et puis vous me soutenez enfin, merci infiniment les gars. Bref, on va passer en game pour vous montrer tout simplement comment cette option fonctionne. Alors pour l'activer, on va dans paramètres, accessibilité, et dans audition, vous cochez la première option, ce qui vous permettra d'avoir tout simplement les effets sonores visuellement. Donc n'hésitez pas surtout aussi à me donner des petites idées de vidéos tout simplement sur Fortnite. Donc on a déjà, alors ok, c'est déjà plus clean qu'avant, j'avais déjà vu le mode, mais là c'est vraiment plus clean. Donc on peut voir qu'il y a un petit rond, ça me fait penser à Black Ops 2, quand on se prenait des balles, on savait directement où était l'ennemi, et je trouve ça vraiment super en fait. C'est vraiment super, en fait vous pouvez voir directement où est-ce qu'est la personne. Là on voit tellement de trucs qu'on verrait pas en fait avec l'audio, on va dire, c'est fou. Là on voit directement qu'il y a une personne, ça met le nombre de personnes aussi du coup avec les pas, et c'est assez shit. Ok, j'ai ce qu'il faut, un chasseur, ok, il a été remis, what the fuck, je sais même pas. Allez, allez. Oh, non. Oh yes, faut que je me réhabitue, j'ai fait vraiment de la merde. Mais là on pouvait voir qu'on a vraiment bien cerné l'ennemi. Il est juste là, il est juste là. Ok. Ok, parfait. What the fuck? En fait, mon cerveau, il comprend mieux tout ce qui se passe. Ok, il y a du fight. On va essayer de rush un peu plus pour vous montrer l'efficacité de cette option cachée. Ok. Ok, 5-5. Oh, parfait. Comment ça, je l'ai tué? Le pauvre, il a vraiment plus de vie. Le squelette de l'event. Les textures sont super stylées. Oh my god. What? What? Mais gros, mais il y a personne. Ok, là, ok, je l'avais pas vu, avec le truc j'ai vu. Ok, je me suis fail. Mais what? Il s'enfuit. Oh yes. Bon, sur des longues distances, ça fonctionne vraiment pas bien. Il y a aucune utilité sur des longues distances, par exemple au sniper, mais ah, ok. Oh, ah, mais lui il prend vraiment cher par contre, hein. Faut être très attentif, mais vous pouvez voir que on peut vraiment cerner beaucoup de choses. Ok, on va redrop à celle-ci parce que je pense que c'est un bon spot pour tester ce que je veux faire là avec le mode. Ok, j'ai un pompe. J'entends plein de gens, plein de gens. Beaucoup trop même. Non, non. 7, 5. Non, je déconne mec. Je suis un gamin. On peut approximativement imaginer combien il y a de personnes autour de nous avec le nombre de logos qu'il y a. Par exemple, s'il y a 4 icônes, bruit de pas, et ben on sait qu'il y a environ 4 personnes. Et c'est quoi ce pompe? Hein? Je l'ai encore jamais testé, hein. On va essayer de faire un petit peu des trucs fun. Et après, je vais essayer de jouer sans mon casque pour voir si vraiment ça fonctionne. Parce que sans casque, réellement sans casque, les amis, je pense que c'est vraiment extrêmement chaud. Parce que Fortnite, ça se joue beaucoup avec le son. Ok. Ok, je peux cerner directement où est-ce qu'il est. Ok. Ok, donc juste avant la vidéo, on va tout simplement unbox ce petit colis. Alors devinez ce qu'il y a dedans, simplement en commentaire. Ok, donc c'est parti.
on peut déjà voir que c'est bien emballé et que c'est pas prêt de se casser. Donc c'est tout simplement la marque ET Max Store qui m'a envoyé ces écouteurs sans fil. Mais la particularité de ces écouteurs, c'est tout simplement la haut de gamme. Alors je vous explique, sur leur site, ils ont plein de produits et du coup en fait tous les produits sont un peu basés sur tout ce qui est accessoires téléphone. Et en l'occurrence ils m'ont envoyé des écouteurs, mais vous voyez qu'il y a plusieurs prix. Et moi ils m'ont envoyé la gamme à 62€, je crois que c'est la gamme la plus chère. Donc voilà, ils font des écouteurs, des lampes, des chargeurs wireless. Le lien est dans la description si vous voulez l'acheter, mais on va tout simplement tester ça. Je l'ai pas payé, ils me l'ont envoyé. Cette ouverture est sponsorisée. Les écouteurs sans fil juste ici. Donc ouais, pour le coup, les gars, c'est super bien le pack. Ok, donc les voici. Donc là, c'est super cool. Du coup, c'est aimanté. Voilà, des écouteurs sans fil, quoi. Le petit fil pour recharger et la petite notice qui fait plaisir. Donc c'est parti, les amis. Je vais le tester et je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Ok, et bien heureux. Alors, on passe au test. Ok, alors, petit débrief. Donc les basses sont pas folles. La pureté, ça va, clairement. Mais par contre... les écouteurs sont puissants, je m'explique. Je trouve que les écouteurs crachent beaucoup, réellement énormément. Donc en termes de basse, ce sont pas les meilleurs que j'ai reçus. Ce sont pas les plus purs, mais ce sont clairement ceux qui crachent le plus. Et aussi ils sont très agréables à porter, ils sont légers. Et donc ça aussi c'est un super point positif. Donc voilà, le lien du site ET Max Store est dans la description. C'est parti. Ok, donc c'est parti les gars, on va enlever le casque pour faire une game et on va tester comment ça se passe. Mais je pense que ça va être assez catastrophique parce que je trouve que c'est réellement très handicapant de jouer sans le son. Ok Google, fils de... Bon allez, c'est parti, là on peut voir déjà beaucoup de choses. Il faudra vraiment être super attentif au petit logo. Là on peut voir beaucoup de choses, on va beaucoup s'aider de ça. On va refaire un salty parce qu'on change pas une équipe qui perd. C'est très déstabilisant de pas avoir de son, réellement. Faites le test de l'autre côté, je pourrais pas vous donner une métaphore. Mais qu'il faut être super attentif au logo. Pour l'instant il y a aucun... ok, il y a eu un truc, il y a eu deux trucs. Il y a des bruits, il y a des gens qui cassent. Donc ça veut dire que pas loin. Genre, ok, donc on va se safe. On va prendre ce coffre là. Non. Mako elle a bugué. Putain. Bon, en attendant les gars, je vais vous montrer un truc super cool qui vous permettra d'améliorer votre aim. Mais je suis con, j'ai pas de connexion, comment je peux jouer à ça? Putain mais... regardez ma vie. En plus je vais perdre. C'est chaud en vrai hein. En vrai genre ça paraît simple parce que c'est un dinosaure pixelisé et tout, avec des cactus à la con. Mais réellement mon gars, mais ça en fait mal aux yeux même. Ok bref, je vous montre le jeu. Il est très simple, challenge. Et là vous cliquez sur toutes les petites bulles qu'il y a. Hop 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 hop. Allez le faire, mon record c'est 1 minute 13 voilà. Et dites moi combien vous avez fait en commentaire ceux qui le font. NON. Je pars en vacances le 26 et j'aimerais vous faire des vidéos pendant que je suis parti en vacances. Je vais vous faire un setup, même s'il n'y a pas grand chose qui a changé, parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé et puis voilà, je vais le faire. C'est une vidéo assez simple à tourner et clairement, bah ça m'arrange. Ah. J'ai chaud de ouf là. Gros, il fait combien dans ma chambre? C'est un truc de malade hein. Comment vous remédiez au problème de la chaleur dans votre chambre? Aidez-moi putain. Clairement, ça va être chaud, je peux pas entendre le bruit de trop loin, juste de près. C'est réellement handicapant, réellement. Ok, vous l'avez vu. Ok. Ok. Non mais... me dis pas que je mourrai à ça quand même. Hein? Non. J'ai ultra paniqué pour ça. Je sais pas pourquoi. C'est ça qui est grave. Ok. Et là je me tire. Là je me tire parce que j'en ai aucune idée d'où ils sont en fait. Genre c'est trop chaud. Oh, des pas. Faut que je fasse gaffe là. Il doit être en haut, je suis pas sûr. Ok. Ok, il est rentré. Non, je l'ai vu. On se retrouve pour la prochaine game, encore une fois en mode sourd. C'est parti. Où est-ce qu'on va sauter encore? Parce que là je commence à en avoir vraiment ras le cul. Là. Ok. Il y en a partout des gens là. Il y a des gens vraiment partout. What the fuck? Je suis vraiment perdu là. 2 kills déjà pour le GX. Mais wesh, il y a vraiment trop de monde. C'est un truc de baiser. Oh, ok, j'ai jamais compris le concept. Ok, non, mais il y a des gens partout.
C'est insane, hein. What the fuck, c'est insane. Là, il y en a un qui va ouvrir la porte, je vais me prendre une grosse balle, sa mère. J'ai pas réussi à parler, je suis désolé. Je connais pas les maisons, les gars, je vous jure. C'est un truc de ouf. Je suis mort, archi mort, là, si je sors. Ok. Pardon. Vous voyez, j'ai rien vu.